on avance peu et bien. Non, non, on a travaillé sur les deux points bloquants, la manière de calculer le différentiel d'une part et le nombre de produits d'autre part. Je pense qu'on a une forme de consensus sur la partie différentielle, mais il reste à affiner des points très techniques. Donc sur ça, l'interruption de séance nous permet d'écrire et de faire en sorte que ça conforme à ce qui a été exprimé. Mais sur ça, je suis plutôt confiant, si je peux me permettre. Sur la partie toute partie de l'alimentaire, je pense qu'on a fait la démonstration d'une volonté à long terme de travailler sur le maximum de produits, mais de séquencer, comme moi je l'ai toujours dit. Et maintenant, on a apporté de la précision dans la manière dont on allait le séquencer. On a mis un gros garde-fou qui est qu'on souhaite absolument protéger la production locale et que aller sur du tout alimentaire, c'était risquer de déstabiliser la production locale qui déjà essaye de prendre plus de place. Donc on est là, à ce stade, dans la discussion. Il y a une interruption de séance.